Alors la carte, on la connaissait, elle n'a pas changé pour l'instant, je dis pour l'instant, vous allez comprendre. 14 régions au lieu de 22, le gouvernement a prévenu. Cette carte peut évoluer en termes de mariage de régions, mais elle ne devra en aucun cas excéder ce chiffre de 14 régions métropolitaines. Avec nous pour en parler, celui qui est pressenti pour être le rapporteur de ce texte et qui aura la lourde charge d'en faire respecter l'esprit à l'Assemblée. Bonsoir Carlos Bonsoir. Da Silva et face à vous Jean-Christophe Fromentin. Bonsoir. Député maire de Neuilly, chef d'entreprise qui a beaucoup travaillé depuis longtemps sur une nouvelle carte justement. On avait entendu déjà vos doutes sur ce même plateau quand la carte avait été annoncée. Depuis, vous avez fait travailler les ordinateurs et ça donne ça aujourd'hui. Vous avez passé cette carte qui nous est proposée au crible d'un indice de développement des nouvelles régions. Indice qui va de 0 à 3, qui intègre des critères géographiques, économiques et sociaux. Et le résultat, on le voit, il n'est pas terrible. En tout cas, il vous inquiète. Oui, puisque dans l'énoncé de la loi, il y a la volonté de créer des territoires d'avenir, d'aboutir à une taille critique pour pouvoir se développer. Donc on a passé ces nouveaux territoires, ces nouvelles régions au crible de toute une série de critères. Leur potentiel, l'évolution de leur PIB, la proximité d'une métropole, tout ce qui fait l'économie de demain, tout ce qui contribue à faire l'économie de demain. Et le résultat ? Et on s'attendait à voir moins de disparités que ce qu'il y a aujourd'hui, et puis des régions qui, quand même, allaient un petit peu vers ces critères de développement. Et on se rend compte qu'il n'y en a que deux qui respectent vraiment les critères de développement qui nous semblent nécessaires pour progresser dans un monde qui change, et qu'une grande partie est complètement en dehors des critères qui font et qui feront l'avenir des régions demain, l'avenir de leur économie, l'avenir de l'emploi et l'avenir d'une prospérité, là encore, dans un monde qui appelle des nouveaux critères et des nouveaux principes de développement. Si je suis bien, ce n'est pas une carte d'aménagement ni de développement du territoire, si l'on en croit ces chiffres. Votre réaction, Carlos Da Silva ? Ma réaction, c'est qu'avec une carte de découpage, qu'elle soit d'ailleurs à l'échelle du territoire national ou plus petite, c'est toujours la même chose. Il y a autant de cartes possibles qu'il y a d'élus. Moi, je reconnais à M. Fromentin de travailler sur ce sujet depuis longtemps. Mais soyons sérieux, c'est une réforme que la gauche et la droite, et particulièrement la droite, ces dernières années, avaient promis. C'est une réforme qui va considérablement rendre plus lisible la France, qui va marier des régions qui, dans les faits, fonctionnent déjà ensemble. Non, je parle des habitants qui... Tout le monde semble d'accord sur la réforme, mais apparemment, c'est peut-être pas la bonne. J'y viens. Le président de la République, son gouvernement, ont fixé des principes. La lisibilité, moins de régions, du développement économique mieux pris en charge. Et il y a une proposition de carte. Avec une limite, vous le disiez dans votre introduction, il n'y aura pas plus que 14 régions. Et par ailleurs, nous ne souhaitons pas, comme certains l'évoquaient précédemment, que les régions puissent se disloquer en départements différents. C'est ça qui est important. Oui, qu'un département Mais maintenant, puisse changer de voilà, qu'un département puisse changer de région. Là, la carte, elle arrive comme ça d'abord au Sénat et l'examen va commencer très bientôt. Mais la question, elle n'est pas là, oui, monsieur Da Silva, parce que le temps nous est précieux. La question, elle est, ça doit servir économiquement, semble-t-il, ça n'est pas le sens de cette carte. On a du mal à comprendre quel est le sens de la carte. J'ai commencé par dire le respect que j'avais pour le travail fait par mon collègue à l'Assemblée nationale, Fromentin. Sauf que ce sont ces critères, ce sont des critères qui sont par ailleurs très intéressants, mais qui n'intègrent pas, par exemple, la culture, qui n'intègrent pas l'identité régionale, qui n'intègrent pas l'histoire, qui n'intègrent pas la réalité de leurs représentants. Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire il faut écouter les élus locaux et que ce soit un système, une machine qui décide de critères. Moi, je respecte ce travail et j'imagine qu'il le fera valoir dans l'hémicycle et que nous aurons un débat parlementaire. On parle souvent aujourd'hui de la place du Parlement, mais moi, je l'invite, et je sais qu'il le fera, car il le fait quand il a des convictions, à porter ses options dans le Parlement. Moi, mon rôle, si demain la Commission des lois me fait confiance pour être rapporteur, c'est pour porter ces critères de lisibilité et de service public mieux armés sur le territoire. Jean-Christophe Fromentin, quelles peuvent être les conséquences, selon vous, de ces résultats que vous avez produits aujourd'hui ? Le problème de la carte telle qu'elle est proposée, c'est qu'elle génère des profondes dissymétries, des profondes inégalités. Et donc, finalement, au lieu d'avancer, au lieu de progresser, cette carte nous fait reculer. Cette carte va devoir être compensée. Il y a une sorte de coefficient qu'on a mis dans le tableau. Le plus haut coefficient est pour l'Île-de-France à 2,5. Le plus bas coefficient est pour des régions qui sont à 0,3. Donc, il va falloir rattraper, il va falloir compenser finalement ces écarts. Vous voulez dire avec des deniers publics pour essayer d'aider ceux qui ne seront pas en développement. Il va falloir à la fois proposer des systèmes très puissants de péréquation et mettre de l'argent public. Parce qu'il y a un développement naturel. Vous voyez, l'histoire des territoires, elle ne s'est pas faite par rapport à un découpage administratif. On n'a pas un jour dit, tiens, on va découper administrativement notre territoire. Je vous rappelle l'histoire des départements. Oui, les départements, mais ce n'est pas les départements qui ont fait l'histoire de France.
L'histoire de France et l'histoire des villes s'est fait sur des critères de développement. La Méditerranée, au moment où il y avait une prospérité en Méditerranée, les ports de la façade atlantique, quand il y a eu une prospérité liée au commerce sur l'Atlantique, le long des fleuves. Donc les cartes ont toujours été des projets qui ont correspondu à des flux, à l'évolution des flux, au marché, à la manière dont les gens échangeaient. Et c'est le système administratif qui s'est ensuite posé sur des réalités économiques, sur des réalités sociales, sur des réalités d'échange. Et là, votre carte, ou la carte qui est proposée par le gouvernement, elle fait l'inverse. C'est-à-dire qu'elle oppose une logique administrative à une logique de flux. La carte qu'on a développée il y a quelque temps est une carte qui regarde les flux, comment les gens vivent, comment l'économie se développe, comment les mouvements, comment les flux s'organisent, comment la France se connecte avec le monde. Et ce que je reproche au travail fait par le gouvernement, c'est qu'il oppose une logique administrative à une logique de développement, à une logique de flux. Non, alors que c'est l'inverse qui devrait se poser. Sur une logique de développement, une logique administrative. Je ne peux pas laisser dire que c'est une logique administrative. Évidemment qu'elle parle d'une réalité. C'est même une logique politique. Elle parle d'une réalité administrative. Les régions, elles existent. Les départements, ils existent. Les villes, elles existent. Et nous devons composer avec les territoires tels qu'ils existent. Et d'ailleurs, de ce point de vue, quand on rentrera dans le débat et on va vite y revenir sur la métropole du Grand Paris, on verra qu'il y a de grosses dissensions entre celles et ceux qui veulent garder leur argent, et notamment dans les Hauts-de-Seine, et celles et ceux qui, à gauche, par exemple, voudraient une plus grande péréquation. C'est un peu le sujet. Non, parce que c'est la même philosophie. Justement. C'est la même philosophie. C'est pas du tout le même sujet. C'est la même philosophie. Il y a un raccourci que de venir dans les Hauts-de-Seine. Il vous doit vous manquer quelques arguments pour défendre les régions. Nous invite à aller vite. La réalité des choses, c'est qu'on part d'une réalité administrative, mais cette réalité, elle existe, elle a un sens. C'est pas seulement une réalité administrative décidée comme ça au hasard. Et regardez ces grandes régions que vous êtes en train de façonner. Ce que je veux, monsieur Fromentin, c'est qu'évidemment, une carte, c'est intéressant. C'est passionnant, ça permet d'avoir une image. C'est important de répondre à cette question. Quelle est la logique de ce découpage là qu'on voit ? Et donc le débat, évidemment tout le monde va regarder la carte, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pour le coup la logique de développement économique. Et d'ailleurs, il y a deux lois qui sont en examen en même temps. Il y a à la fois la loi de découpage et la loi sur les compétences. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que vous allez proposer aux députés d'abord de voter sur le découpage et ensuite ils voteront sur les compétences. Si vous regardez, parce que c'est pas un peu bizarre, D'abord, il y a une constitution dans ce pays qui fixe un certain nombre de règles, et par ailleurs, et donc il fallait que ces règles soient un minimum respectées. Et par ailleurs, quand vous regarderez avec précision le calendrier législatif, le calendrier d'examen de ces lois, vous verrez qu'en réalité, elles ont été présentées de façon concomitante en Conseil des ministres ce matin, mais qu'elles seront examinées quasiment aussi de façon concomitante à l'Assemblée nationale. Chers collègues, vous savez bien que le travail d'amendement, il ne va pas se faire de manière concomitante. C'est quand même dommage de devoir discuter au Parlement dans quelques semaines d'un texte sur une carte sans même discuter sur les compétences et sans même discuter sur l'échelon de proximité. Ce soir, ou depuis plutôt ce midi, connaissance des deux lois. Moi, je travaille comme, j'espère demain, rapporteur, je vais travailler avec mon collègue Olivier Dussopt dès le premier jour. C'est évident. Et vous-même, dans votre groupe politique, et j'espère tous les parlementaires, vont travailler d'un même élan. Ce sont deux lois qui sont portées par deux domaines de compétences différents, par deux ministres différents, mais qui ont la même logique, heureusement. Autre question, puisqu'on a parlé de la logique économique, il peut aussi y avoir une autre logique économique, celle de faire des économies, justement. Des chiffres avaient été avancés du côté du gouvernement, de 12 à 19 milliards d'euros, si j'ai bien compris, en prenant le bloc région, département. Vous n'y croyez pas, Jean-Christophe Fromentin. Vous dites même que ça pourrait presque coûter de l'argent, si je vous entends bien. C'est-à-dire que moi, j'ai repris les chiffres qui étaient proposés par le gouvernement. Ils disent économie 15-20 milliards sur un bloc de 250 milliards. Alors, comme l'économie portait sur les régions et départements, j'ai isolé l'assiette des régions et départements. L'assiette est de 99 milliards. Si on retraite les dettes et les engagements incompressibles et les programmes d'investissement, elle n'est plus que de 62 milliards. À qui on va faire croire qu'on va réaliser avec cette réforme une économie de 30%? 15 milliards sur 62 milliards, c'est impossible. D'autant qu'on n'a pas pris en compte dans ce calcul les coûts de restructuration, les coûts de transfert, les coûts d'adaptation, les coûts de mise en œuvre de la réforme. Donc les chiffres qui sont annoncés sont tout simplement
irréaliste, impossible. On est dans le domaine du rêve complet. Donc cette réforme, pour moi, elle a deux inconvénients. Ce n'est pas une configuration d'avenir. C'est une carte qui est improbable par rapport à ça. Et c'est une carte sur laquelle il n'y a aucune économie possible, en tous les cas pas les chiffres qu'a donné le secrétaire d'État. Et donc je ne vois pas l'intérêt. Moi, ce soir, je suis dépité par cette carte parce que je ne vois pas quel est le but de cette réforme. C'est purement une carte administrative dont le découpage répond à des logiques politique pour conserver des majorités dans un certain nombre de territoires. Je crois que malheureusement, c'est dommage et de traiter avancés, comme ça une réforme qui avait pourtant du sens. On écoute M. Fromentin, effectivement, ça a l'air d'être des chiffres qui ne tiennent pas tellement la route au regard de la démonstration qui vient d'être faite. Mais attendez. Là, pourquoi fait-on ce découpage? Est-ce que c'est pour réaliser des économies? Est-ce qu'on redessine? C'est ce qu'a dit M. Valigny. Est-ce qu'on redessine? Non, non, il a chiffré ce qu'il pensait. Et excusez-moi, M. Fromentin, vous savez bien que ce n'est pas M. Valigny qui a pris sa calculatrice, son stylo, et qui a fait les comptes lui-même. Il y a des services de l'État qui, d'ailleurs, avec des fonctionnaires honorables... C'est la direction des collectivités locales. Des fonctionnaires honorables qui travaillent, d'ailleurs, sous tous les gouvernements. Est-ce que vous êtes d'accord avec les chiffres que j'ai proposés? Attendez, je peux aller au bout de ma tentative de démonstration. Partons des chiffres. Restons sur les chiffres. La réalité des choses. Pourquoi on fait ce découpage? On fait ce découpage parce qu'on croit, on pense qu'une région plus forte crée du développement économique et donc crée de l'emploi. C'est d'abord ça le sujet. Faisons des régions qui permettent de faire du développement économique. Deuxièmement, c'est une prévision. Alors évidemment, mais vous savez, les économies des collectivités, il y a un moyen très simple de les faire, et d'ailleurs le gouvernement le met en œuvre à travers le pacte de responsabilité, c'est de réduire leur dotation globale de fonctionnement. Donc non seulement c'est un calcul, une prévision, mais à partir du moment où vous fixez un cadre, écoutez, les économies, elles seront réalisées, il n'y aura pas le choix. Mais non, mais attendez, vous ne pouvez pas dire « je confie les régions dans une acception où elles vont avoir beaucoup de mal » à se développer, à prospérer. Il y a deux régions, par exemple, Bourgogne et Franche-Comté, c'est deux régions dont le PIB est en baisse depuis 6 ans. Et alors ? Eh bien, vous allez avoir une aggravation. Attendez, je termine. La dynamique. Arrêtez d'imaginer des dynamiques à l'instant. Non, mais arrêtez d'imaginer des dynamiques avec des territoires. Pour conclure. Qui, pour certains, n'ont pas de métropole pour les tirer. Et on sait qu'aujourd'hui, dans l'économie mondiale, il faut des métropoles pour tirer des territoires. Je suis d'accord avec vous sur les métropoles. Qui n'ont pas, sur certains, la taille critique pour justement opérer des vraies politiques de développement. Bourgogne et Franche-Comté n'ont pas de métropole. Troisièmement, on sait qu'aujourd'hui, dans la mondialisation, il faut être dans la zone d'influence d'un grand port maritime. C'est une condition essentielle à la réindustrialisation. Pas systématiquement. Regardez bien la carte. Autant que faire se peut. Et je ne peux pas vous laisser dire que Bourgogne et Franche-Comté n'a pas de métropole. Ce que je reproche à cette carte, c'est que sur ces trois critères essentiels, il n'y en a que deux qui répondent aux trois critères. Deux régions. Et je crois que ça, c'est extrêmement grave d'avoir conduit une réforme qui n'est pas plus visionnaire d'avenir. Mais la vision de M. Fromentin, c'est qu'il construit des critères, il applique ces critères, mais encore une fois, ces critères, on peut en discuter à l'infini, et il dit ça ne va pas. Mais moi, attendez, j'invente tous les critères que je veux. La question qui va se poser pendant cette réforme, pas mes critères, pendant ce débat, c'est pendant les critères qui font aujourd'hui la croissance. Pendant ce débat, la question qui va se poser, on a bien c'est simple. Votre feuille de route en tant que futur rapporteur, c'est quoi? C'est qu'on la modifie le moins possible, cette carte? Non, non, mais moi, j'ai pas de objectif de ce type. Moi, l'objectif, c'est que je pense que l'union des régions, au fond, va constituer une force considérable. Donc moi, j'ai un objectif de réduction du nombre de régions pour le porter à 14 maximum. Et dans pourquoi ce cadre-là... Pourquoi pas 15 et dans ou 12 ce, mais parce qu'il faut bien que l'exécutif joue son rôle, monsieur Fromentin. C'est là Fromentin. Où... C'est là j'ai où dit maximum. Le président dit, de la République... Mais attendez, monsieur le président Fromentin, de la République, il a annoncé 15, mais 12, mais 12, 11, mais 12, 14. Mais 12, pourquoi pas 16 ou 13 demain? Mais parce qu'il faut une taille minimum. Il faut une taille minimum c'est pour qu'elle se développe. C'est un débat que vous poursuivrez sur les bancs de l'Assemblée nationale, j'en suis sûr, avec les convictions qui sont les vôtres, en tout cas, et qui vous ont ce soir, je l'espère, éclairé. Merci messieurs, vous restez avec nous juste après la pause. Le grand débrief foot de la journée. Il semblerait que l'Espagne soit en passe d'être éliminée. Les champions du monde en titre déjà éliminés. C'est évidemment un big bang. A tout de suite.